Bonjour à tous. Voilà, nous sortons de l'hôtel Sorbois pour une étape à peu près de 30 km aujourd'hui pour aller voir Pascal. Ça a été Pascal ? Très bien. Oui, très bien. Oui, il fait encore loin. L'hôtel était très bien. Alors oui, on est un peu en avance, mais nous allons... Le déjeuner est inclus dans le prix, donc nous allons aller déjeuner en face, là. Un petit restaurant, là-bas. Voilà, il y a un petit restaurant, donc nous allons nous boire un petit café en attendant que le jour se lève. Donc, on vous souhaite une très belle journée. Bon dimanche. Bon dimanche et à tout à l'heure. Alors, nous entrons encore dans une région magnifique, un petit peu encore style western, mais nous n'avons pas revêtu nos habits de cow-boy et nos pistolets. Il vient de tomber quelques gouttes, mais c'est pas sûr qu'il va nous arrêter. Regardez comme c'est joli. Aujourd'hui, c'est calme et paisible parce que c'est dimanche. Donc, on est à 161 km de Murcia. Après, ça sera Valencia. Et après, ça sera de la piste cyclable jusqu'à Barcelone. Et au-delà. Mais bon, quand on sera à Barcelone, ça sera déjà bien. Et aujourd'hui, nous allons à Los Gallardos, donc 21 km. Tranquillou, hein. C'est tellement joli que... Pascal est occupé avec les photos.
Alors ça, ce sont des arbres spéciaux. Des arbres famille. Chaque boule d'arbre, de l'arbre, représente un personnage. Suivant dans la façon dont vous le regardez, vous voyez un ours, une tête, un animal, un chien, ils sont mystérieux, ces arbres-là. Je les trouve fascinants. Quand vous leur parlez, ils bougent, alors qu'il n'y a pas un souffle de vent. Ils savent que je parle de lui, là. Et il est en train de se dire, mais il est fou. Eh bien, non. Alors, ça fait trois quarts d'heure qu'il n'y a pas de voiture. Je m'arrête deux minutes. Ça fait déjà la troisième voiture qui passe. Bon, ça va. Alors, je voudrais aussi profiter de ce petit moment de folie pour te souhaiter un très bon anniversaire, Seb. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et donc, écoute, profite bien de cette journée. Ton petit papa, bon, il part son absence, comme toujours. Mais je pense à toi tous les jours et je t'aime très fort. Passe une belle journée. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais. Vous voyez l'arbre vu d'un autre angle est différent. On peut imaginer une tête dans son ensemble, mais aussi chaque bouquet a une personnalité, en fait. J'adore ces arbres. Ici, comme vous voyez, c'est la tête d'un lion. Vous le voyez ? Et ce petit bonhomme là, qui attend que je passe pour me faire signe. Vous le voyez avec ses deux petites mains, sa bouche ouverte. Et il a un petit œil malicieux. Vous voyez ces personnages. Là, sur le gauche, là, sur le petit en bas derrière, avec ses deux petites jambes, ses deux yeux. Et sur le devant, on a celui qui est la tête penchée. Il est en train de dire coucou. Bon, c'est un peu fou, mais c'est parce que, en fait, ça, tout va bien, et je suis content, je suis super content de pouvoir continuer ce merveilleux chemin. Alors, c'est beaucoup grâce à vous aussi, à tous ces commentaires que vous nous avez fait, Pascal et moi, parce qu'il est inclus toujours dans les commentaires, et ça fait hyper plaisir. Je sais que vous allez nous aider jusqu'à la fin du chemin. J'en profite aussi pour, comme c'est le mois de septembre en or, eh bien, c'est le moment ou jamais de penser aux enfants. Ils ont besoin de nous. Et c'est hyper important que la recherche avance, et donc, voilà, je me lance et je compte sur vous.
une longe d'autoroute. Nous sommes sur une petite route qui longe l'autoroute, donc tranquille. Peut-être de temps en temps une petite voiture, mais c'est la première que je vois passer depuis un moment. Et le paysage est toujours aussi magnifique. Nous venons d'arriver à ce magnifique camping, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez l'entendre également, ça promet. Donc nous allons faire un jerk ici sur la piste. Donc alors, on a l'emplacement numéro 107. Voilà. On va être très bien ici. On va aller voir Pascalou. Alors, Pascal, comment trouves-tu l'emplacement et le camping ? Très bien. Très bien. On va pas salir la tente avec le... Oui, voilà, donc il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de sable. Il y a du gravier, mais c'est du gravier tassé. Alors, on va vous souhaiter une belle après-midi à tout le monde, un bon dimanche. Et nous allons monter notre tente, nous poser simplement. On compatit avec ceux qui ont la pluie. Voilà, et puis on vous embrasse tous. Et si les amis du chemin. À vous les studios. Allez, au revoir. Ciao. Voilà, voici l'installation terminée. Le temps a l'air de se couvrir un peu. On espère qu'il n'y aura pas d'orage. Donc, comme vous pouvez le voir, le campement est bien installé. Je crois qu'on va être bien ici.